Shalom, a-t-on le droit d'être traversé par des sentiments de vengeance envers les Arabes pour ceux qui nous ont fait là-bas à Gaza? Réponse. Tout d'abord, il ne s'agit pas de tous les Arabes du monde. Il y a entre eux également des justes d'entre les nations, mais des Arabes qui sont des assassins, des criminels, des terroristes, et également ceux qui les aident de façon active ou de toutes sortes de façons. Secondement, c'est vrai que la Torah nous a interdit la vengeance, mais c'est essentiellement pour des points de relation interpersonnelle. Vous n'avez pas voulu me prêter votre hache, alors je ne vous prêterai pas ma scie. Mais lorsqu'il s'agit d'assassins et de criminels, on a le droit d'avoir des sentiments de vengeance qui sont légitimes, qui sont même moraux. Et évidemment, il faut mener une guerre de défense envers ces gens cruels et méchants afin de nous protéger. Que Dieu nous aide. Shalom.